Oh, merde! Merde, merde! Je m'y attendais pas. J'étais surpris. Tout ça, si j'avais eu l'anti-retour de poser, je l'aurais pas raté. La manivelle m'a échappé. Bon, le matériel d'aujourd'hui, donc le moulinet Jaguar toujours, mais je suis passé sur de la tresse, tresse de 14, avec un bas de ligne de 25, toujours des poissons de nageurs, et la canne Yuan Wei, donc superbe, hein, superbe matériel, une canne extraordinaire. Ah, un cendre. Un cendre de nouveau. Je filme un peu là parce qu'il y a, de la truite là. Je viens d'en décrocher une. Un autre beau poisson. Il est gros celui-là. Celui-là, il est gros. Un gros cendre. Là, il est gros. Il est plus gros, je pense. Tiens, on le voit là. Ça, c'est un poisson. Celui-là, il fait... Ouais, 70. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, un très bel endroit. On y trouve essentiellement des truites. Mais il y a aussi des barbeaux. Quelques carpes et des cendres qui remontent d'un lac qui est un peu plus bas. À 3 km, il y a un lac. Donc jusqu'ici, ça remonte un peu. Donc les populations se mélangent. Mais c'est un endroit où vraiment on peut se régaler. Hein. Donc des truites très belles. Il y en a des très grosses. Hein. Il y a des truites de 4-5 kg ici. Hein. Une truite d'un kilo, c'est commun. Hein. J'en ai pris une hier de 2 kilos à peu près, 60 cm. Une belle fario, un gros maous, moi j'appelle ça, hein, un peu plus bas là-bas. Donc là, hier aussi, vous verrez sans doute dans une vidéo, là, un décroché, là, un vrai tracteur. Dans un petit bras de rivière, je vais y retourner cet après-midi pour voir si je peux pas la voir. Parce que là, c'est un bestiau. Hein.
Il m'a déchiré les prisettes. Là. Un autre. Ou une truite. Un autre. Cendre. Un cendrillon. Voilà. Voilà. Là où hier j'ai décroché le tracteur. On va remonter dans le petit bras là. Là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Et hier, je me suis fait dérouler le frein là. Et après, c'est décroché, mais vraiment un truc énorme. Il y avait beaucoup de poids, ça se sentait quoi. D'ailleurs, j'ai eu le sentiment, la sensation d'avoir accroché. Et après, ça tractait vers l'amont. On va voir aujourd'hui si on peut la prendre, on sait jamais. Hein. Bon, pas se presser, soyons discrets, ne faisons pas de bruit, on va bien voir s'il y a quelque chose qui vient. Ah, il y a une touchette là. On va insister un peu. Et oui, c'est comme ça la pêche. Quand on a sa chance, il ne faut pas la rater. Mais bon, la prochaine fois que je viens, je sais qu'il y a un tracteur là. Je le saurai. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai perdu. Je vais vous parler un peu du matériel que j'utilise. Donc voilà, la canne Yuanwei, elle fait 2 mètres, elle est une puissance de 5 à 18 grammes je crois, assez puissante. Le moulinet Jaguar, Jaguar 3000, avec de la tresse de 14 et un bas de ligne en fluoro de 25 centièmes, un max rap. Il va très bien donc sur les cendres comme vous avez pu le voir. Sinon après le reste hein, c'est du matériel, les wader de marque Taimen. Très bon. Hein. Très bon wader. Des chaussures aussi. Hein. Semelle feutre. Ici c'est assez glissant, c'est plein de cailloux. Sinon avec ça, un bon équipement, sympa. Pour essayer de vous faire de bonnes vidéos. Donc vous avez vu aujourd'hui, ça marchait bien sur les cendres, hein, ce matin. Par contre après c'est la pleine lune, donc les truites ne mordaient pas. Il ne fallait pas compter dessus, enfin il faut voir quand même, là je continue de pêcher, donc on va voir.
Sinon, je me suis bien amusé sur les cendres, donc des cendres entre 60 et 70 cm. Des trucs sympas, un bon matos, je me suis régalé, quoi. Donc je vais vous monter cette vidéo et puis après je monterai les vidéos de la Mongolie, d'accord, où j'ai pas mal d'images, donc il y aura beaucoup de vidéos, mais je les ferai ce mois-ci. Allez, salut, à plus tard, ciao, ciao, salut les gars, amusez-vous bien, hein. Vous voyez, l'endroit est beau quand même, hein. Superbe, hein, non? Allez, salut, ciao, ciao.